of Advent. As we come to the end of Lent, we begin a journey into darkness to a place of deep shadow. We accompany Jesus in his last hour. The purpose of the Tenebrae service is to recreate the emotional aspects of the Passion story with the betrayal, abandonment, and agony of the events. And it is left unfinished because the story isn't over until Easter Day. The Tenebrae is an ancient Christian Good Friday service that makes use of gradually diminishing light through the extinguishing of candles to symbolize the events of that week, from the triumphant Palm Sunday entry to Jesus' burial. As you enter this holy space, please do so quietly. You are an observer of what the 12 disciples may have experienced on that night, after Jesus was taken and they were alone. This is the night of darkness before the world changed, not only for the disciples, but also for all of us. Jesus has offered the disciples the new covenant. He has blessed the bread and the cup, beginning the journey that will lead to the cross, saving us from the suffering. We witness the cruelties and the suffering he endures. We listen to the words of condemnation and ridicule. And all this, he is innocent. He is the faithful servant of God, doing his Father's work, bringing the gospel of love, peace, and hope. And so, in this liturgy, we are invited to walk solemnly and attentively with Jesus, better to know, better to understand, better to be his friend, his disciple, his witness. Be still and know that God is here. Jesús ha ofrecido a los discípulos un nuevo pacto.
bendecido el pan y la copa, iniciando el camino que conduciría a la cruz, salvándonos a través de su sufrimiento. Somos testigos de las crueldades y el sufrimiento que soporta. Escuchamos las palabras de condena y burla. En todo esto es inocente. Él es el siervo fiel de Dios, haciendo la obra de su Padre, llevando el evangelio de amor, paz y esperanza. Y así, en esta liturgia, estamos invitados a caminar solemne y atentamente con Jesús. Mejor saber, mejor entender. Mejor ser su amigo, su discípulo, su testigo. Quédese quieto y sepa que Dios está aquí. Tenebrae brésil au soir l'ombrage, fait noir au soir l'ombrage. Comme nous vivons dans ce carême, nous commençons un voyage dans fait noir, dans un côté qui vient l'ombrage profond. Je dis à nous accompagner Jésus dans les derniers moments libres. Objectif service Tenebrae, c'est créer aspect émotionnel, histoire, passion, accueillissant. Abandon, agonie événement yo. Et puis, pas fini là. Parce que l'histoire ça, pas fini. Jusqu'à ce que je parle la vie. Tenebrae, c'est un ancien service chrétien qu'on fait jour vendredi saint, qui servit à prier yo, diminuer la deuxième bougie. Ça symbolisait événement dans ce même saint là. Sorti dans l'entrée triomphante du dimanche Ramboyo jusqu'à l'enterrement Jésus. Pendant qu'on rentre dans l'espace sacré, ça, tambourine, fait ça tout doucement. Ou c'est un observateur dans sa douce discipline, t'es là expérimenté jour la nuit, ça. Après, il était fini pour moi Jésus. Et il était pour mon Dieu pour première fois. Ça, c'est la nuit là, dans le noir avant le monde d'en changer. C'est pas seulement pour Discipio, mais pour nous tous. Jésus t'a offert Discipio une nouvelle alliance. Il t'a béni pain à Godéa, commencé un voyage là, qui t'a mené dans toi. Nous sauver grâce à souffrance. Nous témoins méchanceté à souffrance qui en dirait. Nous coûtons parole, condamnation à bêtise. Nous tous, dans tout ça, les innocents. Les serviteurs qui est bon Dieu qui a fait travail papa pour le côté l'évangile l'homme, la paix avec l'espoir. C'est comme ça, dans les dix nous invitons nous marcher sur la mer avec Jésus. Plutôt pour connaître, plutôt pour comprendre, plutôt pour finir ensemble, disciples. Témoin, de tes amis, et puis qu'on est mon Dieu là. Please stand.
The Lord be with you. And with your spirit. Let us pray. Almighty and Holy God, you have given the human race Jesus Christ, our Savior, as a model of humility. He fulfilled your will by becoming man and giving his life on the cross. Help us to bear witness to you by following his example of suffering, and make us worthy to share in his resurrection. We ask for this through our Lord Jesus Christ's Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. Father, we thank you, yes, to stop recording.